Henri, accélération de l'espace devant elle. Henri qui va décaler Magerie. C'est un petit peu dans son dos, mais le ballon va être récupéré. Le centre est pas mal du tout. Et le but, la volée de Valérie Grosvin. Le centre de Magerie sur ce ballon décalé par Amandine Henri. Oh oui. Sous la remontée de Sauveur. Le centre de Magerie est impeccable. Et Valérie Grosvin qui marque là d'une splendide volée au premier poteau. Son premier but en Coupe du Monde. Et il va lui faire du bien comme il va faire du bien à l'équipe de France dès le début de la deuxième période. Une minute de jeu, 46e minute. Valérie Grosvin débloque le compteur de ce match. Ballon récupéré par Graham Hansen avec Engen. Engen qui va donner sur le côté gauche avec Reiten. Reiten, attention, elle est toute seule avec Everlundsen qui va frapper. Le but contre son camp. Le but contre son camp. Le but contre son camp de Wendy Renard. Avec ce ballon frappé de la gauche par Everlundsen devant le but de Sarah Boisny. Et dans son repli défensif, elle a voulu freiner. Elle a voulu bloquer Wendy Renard. Elle n'a pas réussi. C'est arrivé dans les pieds et c'est allé au fond des filets devant la ligne de but. Wendy Renard qui touche le ballon pour le mettre au fond de ses propres filets sur le centre tiers d'Erlofsen. Ça fait un partout entre la France et la Norvège après 54 minutes de jeu. Elle est en train de prendre une décision. Elle vient de voir les images une fois, deux fois, trois fois. Que va décider Bibiana Stenhouse avec l'aide de la vidéo? Pénalty pour l'équipe de France avec cette faute de Engen sur Torrent dans la surface de réparation alors que Marion Torrent était en train de se relever. Il y aura donc pénalty pour l'équipe de France avec derrière l'assistance vidéo pour cette faute de la part de Engen dans la surface de réparation. Le coup de sifflet, personne ne doit rentrer dans la surface de réparation. Eugénie Le Sommer, Le Sommer, c'est parfait, c'est croisé, ça va au fond des filets et ça fait 2-1 pour l'équipe de France. Le but de Eugénie Le Sommer sur pénalty avec l'assistance vidéo après la faute d'Engen sur Torrent. 2-1 pour l'équipe de France. C'est terminé. Voilà. Victoire de la France face à la Norvège sur le score de 2-1. Gauvin, 46e minute. Renard, 54e minute contre son camp. Et sur pénalty après assistance vidéo, Le Sommer à la 72e minute. Les huitièmes de finale pour les Bleus n'ont jamais été aussi près.